que des femmes. On vient de passer une heure et demie formidable. Je vais passer encore une heure et demie formidable. La guêpe, que ça me fait plaisir de t'avoir à côté de moi. Et Miss, eh ben c'est fini. C'est fini, Miss. Oui, déjà. C'était bien, ça a été court, hein. C'était court, mais c'était très intense aussi. Ouais, et la nouvelle est très belle. Elle est très, très belle. Elle est très, très, très jolie. Sympa. Bah, quand même, c'est vrai, il faut le dire, il faut le dire. Bah, alors toi, je veux rien dire, mais quand même, j'avais un petit coup de cœur pour celle-là. Applaudissez Marine. Je crois que c'est pas le seul. C'était formidable. Merci. S'il y a un mot qui va définir ce qui te reste de cette année, plaisir, bonheur, je sais pas, surprise. Waouh. Waouh. Waouh, ça c'est un joli mot. Waouh. J'espère que vous allez faire waouh avec les numéros qu'on va voir maintenant, hein, parce que je vais vous proposer des choses vraiment formidables. C'est toi qui nous présente le premier, je crois, c'est un garçon. En fait, ils sont deux, plutôt. C'est deux Canadiens. Non, il ne faut pas le dire, mais c'est pas grave. Il faut pas le dire, bon, on l'a refait. Ils sont un. Ils sont un. Le Canadien a souvent plusieurs personnalités, voilà, en fait. C'est ce qu'elle voulait dire. Voilà. En fait, ils sont un, et ils s'appellent... Il s'appelle Richard Forget. Voilà, on va l'appeler Richard Forger. Et on va faire Richard et Forger. Non, en fait, c'est un super magicien. Et on l'a bien répété, notre numéro social. Et c'est un super magicien. Non, mais c'est vrai, te barre pas. C'est un super magicien. Et il est très, très heureux. Il fait apparaître un truc qui... Avec des... Oh, puis qui fait du bruit. Un micro. Qui fait du bruit. Allez, Richard Forger. Hey, Rick, s'il te plaît, pour moi... Ah, il met le feu.
parce qu'on regrette que ça soit pas plus long, par exemple. Il est canadien. Et... Oh, merci. Merci. Merci, Richard. Il s'appelle Foguette et pourtant on l'oubliera jamais. Oh, voilà. C'est ce que je cherchais, il s'appelle Forget et pourtant on l'oubliera jamais. C'est Elisa qui l'a dit, voilà. Allez, on s'assoit. Et bah tiens les filles, puisque vous avez vos micros, prenez vos micros. On va faire la même chose qu'avec la première table. Je vais vous demander ce que vous avez envie très rapidement de souhaiter aux gens pour cette année 2014 qui approche dans pas longtemps. Laura, ma belle Laura.